Nouvelle saison, nouveau projet, mais lequel? La réponse dans cette vidéo, et ça va vous plaire. Ah, c'était cool les vacances, oui, mais je vous avoue que ça me manquait tout ça. Tout ça là, oui, le chant du cliquet, le cliquetis à chaque tour de clé, ça m'a manqué. Et je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison, la saison 3. À la fin de la vidéo de clôture de la saison 2, le test ultime du Kisby 4 temps, on s'était quitté sur une séquence qui en disait long sur ce qui allait se produire dans la saison 3. Et aujourd'hui, je vous dévoile notre nouveau chantier, le deux roues qui va nous occuper pendant une bonne partie de la saison 3. Et on change de registre, hein, et avec l'appui de mon fidèle partenaire Scootfast, on ira loin avec ce deux roues et ça va vous plaire. Et premier petit indice, on repart sur du deux temps. Mais pas seulement, cette saison aussi sera l'occasion de s'expérimenter à différentes techniques pour rénover, personnaliser ou créer de nouvelles pièces. Ces quelques semaines de vacances, ça m'a permis de créer des petits liens avec des entreprises dans différents secteurs d'activité qui permettront de donner un peu plus de technicité à certaines de mes vidéos. C'était un peu bricolage. On va essayer de s'améliorer. Je vous annonce aussi que cette saison sera l'occasion de retrouver le Spitro et peut-être même le Booster dans sa version originale, la version avec Minarelli verticale. Pourquoi pas? Mais aussi la TDR 125. Vous avez été nombreux à me la demander. Oui, elle nous fait un petit peu de l'œil à chaque fois que je fais une vidéo, à la voir en arrière-plan, tel un papier peint. Et si elle fonctionne, d'ailleurs, je l'ai montré dans ma dernière vidéo sur le Kisby 4 temps, lorsque je l'ai comparé notamment avec la TDR 125 d'origine. On va chercher à lui faire prendre un petit peu plus de tour à cette bécane qui fonctionne très bien d'origine. Et on laissera pas le petit Kisby 4 temps dans un coin du garage. Non, non, on était loin d'en avoir fini avec lui sur les optimisations et ce qu'on peut tirer de ce moteur 4 temps 139 QMB. On va s'y atteler un petit peu plus dans cette saison avec certaines vidéos qui permettront d'optimiser encore un peu plus ce moteur. Bref, plein de surprises, des idées plein la tête. J'en ai eu plein pendant ces deux semaines de vacances. Des délires à tester, des grosses configs en perspective. Bref, on va pas s'ennuyer. Et perso, moi j'ai hâte. Mais avant tout ça, on se recentre sur la star du jour, la nouvelle venue, l'objet de toutes nos attentions futures et le cobaye de nos futurs tests. Générique. La voilà la petite nouvelle, une MRT 50 cm3 de chez Riejou et pour être précis, une MRT Pro dans sa version Super Motard avec les pneus beaucoup plus petits que la version Cross. Une moto qui date de 2016, la version blanche, autocollant coloris bleu, sel bleu, coloris type Free Jump. Cette version est sortie en 2014 en norme Euro 2, puis ils ont repris la même version niveau coloris en 2018 pour l'adapter avec le moteur respectant les normes Euro 4. Elle est donc assez récente. De toute façon, depuis sa sortie en 2009, la MRT a vraiment très peu changé. À part la déco des carénages et les petites brides par-ci par-là disséminées dans le moteur pour justement respecter les normes anti-pollution Euro 1, 2, etc. 4, elle n'a quasiment pas évolué. Ma MRT du coup est récente, mais de toute façon la moto avec boîte de vitesse 50 cm3 est assez récente en France. C'est vraiment pas si vieux que ça, elle est précisément arrivée en France en 1996. C'est à cette date que le gouvernement a autorisé la vente de ces véhicules 50 cm3 avec boîte de vitesse. Mais c'est pas à cette date que les motos 50 cm3 existent, puisqu'en 1981, le gouvernement a déjà refusé d'accepter l'homologation de ces véhicules pour être conduits par des mineurs à l'âge de 14 ans, tout comme les mobylettes ou les scooters. Il a
surtout voulu sauvegarder des emplois, des entreprises françaises qui fabriquaient à cette époque des mobylettes et des scooters en masse et qui avaient investi dans des chaînes de production pour ces véhicules. Donc c'est en 96 qu'est arrivé ces motos 50 cm3 qui ont littéralement d'ailleurs révolutionné le marché des 50 cm3 à cette époque. Et pour avoir eu exactement en 96 à peu près l'âge de conduire ce type de véhicule, effectivement ça a changé la donne. On avait toujours connu les deux types de véhicules qu'on pouvait se procurer, des mobylettes et des scooters, et là un troisième type de véhicule est arrivé sur le marché et a littéralement changé la donne, c'est les 50 cm3 à boîte de vitesse, les méca-boîtes comme on dit. Alors Riejou, la marque espagnole, n'était pas la première à faire ce type de véhicule, loin de là. Les premières qu'on a connues en 96 en France, c'était plutôt des Derby. La Senda Supermotard de 96 est beaucoup plus connue et c'est les premières qu'ont connues les Français à cette époque. Puis vu le succès de ce type de véhicule, toutes les marques s'y sont mis. En proposant leur propre modèle de moto 50 cm3, Yamaha, MBK, Aprilia, Malaguti, Riejou, Sherco, Peugeot, enfin j'en passe et des meilleurs, toutes pratiquement munies d'un même moteur, l'unique moteur sur le marché, on dirait, le moteur Minarelli AM6, 6 comme 6 vitesses. En dehors de ce moteur, il y a Derby qui faisait son propre moteur, donc on connaît principalement deux grands types de moteurs, l'AM6 de Minarelli et le Derby. Donc en choisissant une MRT Pro de la marque Riejou, j'ai choisi avant tout une moto qui s'est extrêmement bien vendue ces dernières années et depuis sa création en 2009, et une moto qui est surtout munie d'un moteur très répandu sur le marché, le moteur Minarelli AM6. Donc toutes les vidéos de démontage, d'adaptation, de tests de pièces, etc. que je vais faire sur ce type de moteur sera transposable à toutes les méca-boîtes munies de ce type de moteur. Donc pratiquement toutes les motos 50 cm3 sur le marché. Je vous propose maintenant dans la suite de la vidéo de faire une petite inspection, un petit tour du propriétaire pour voir les différentes pièces endommagées, cassées, à remplacer, peut-être pas d'origine, pour envisager la restauration de cette 50 cm3. Première moto de la chaîne. Elle a l'air d'un rapide coup d'œil en bon état. Je vous garantis, il y a du boulot. Bon, on inspecte la bestiole. Caméra embarquée. Alors un petit tour déjà de la bête, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors à première vue, effectivement, elle a l'air plutôt en bon état. On a des carénages qui sont d'origine, mais qui sont dépourvus de leurs autocollants. Normalement, sur le flanc là, à l'arrière, il y avait un autocollant plutôt sur cette partie. Et ici, l'autocollant avec des couleurs jaune et rouge là, qui ont totalement disparu. Alors le but du jeu, ce sera pas forcément de la remettre en état avec les autocollants d'origine. On va voir ça dans de prochaines vidéos. On va voir comment on peut la personnaliser et qu'elle soit plutôt agréable à regarder. Donc les modèles Pro sont munis d'une fourche inversée de 41 mm de diamètre, un gros frein à disque avec cette forme significative là qu'on retrouve sur les MRT, des jantes à bâtons. Franchement, elle est agréable à regarder cette MRT. La partie cycle a l'air plutôt en bon état. On va regarder l'arrière. Ouais, la couronne qui est d'origine, Riejou. Alors j'ai pas le nombre dedans en tête. L'ancien propriétaire m'a dit t'inquiète pas, j'ai tout nettoyé au WD-40. Et quand je vois l'état, ça colle de partout. J'ai pas osé lui dire qu'on nettoyait pas une moto au WD-40, mais là vous le voyez, c'est graisseux dans tous les sens, donc je vais avoir du dégraissant à mettre un peu partout sur la moto. Alors je pense que de toute façon il va falloir changer l'intégralité des carénages, je vais y passer. La bavette aussi, je vais devoir en mettre une neuve. On va remplacer tous les fluides, notamment les liquides de frein. Alors on voit bien que le compteur de vitesse là est complètement mort. Là je sais même pas s'il manque pas des petites pièces. D'ailleurs si on regarde le poste de pilotage, il n'y a plus rien. Donc il va falloir aussi mettre un nouveau compteur. Les amortisseurs ont l'air en bon état, pas de fuite apparente. Bon, il y a toujours du WD-40 un peu partout, donc il va falloir faire le ménage. Côté moteur, eh bien, il ne passe pas inaperçu, ce pot Most passage bas. Je suis pas trop fan des passages bas, ça fait un peu mobilette. J'aime bien le passage haut avec la forme arrondie là qui passe juste devant le moteur et qui permet de cacher le silencieux sous les carénages. On verra ce qu'on fait avec les pots d'échappement. De toute façon, on testera tout. Passage haut, passage bas, enfin, on en parlera. Une petite cartouche Most noire qui va bien. Ça tombe bien, c'est Scootfast qui va être content. Je ne sais pas si la finition chromée est celle d'origine, je la trouve pas super, ou si c'est un rajout de l'ancien propriétaire. Le pot d'origine est de la même couleur. Je crois que de toute façon on passera par un petit ponçage de l'ensemble pour redonner une finition brute au pot d'échappement de détente, ce qui est nettement plus joli. On a parlé de l'échappement, passons au moteur. Alors le moteur, comme je l'ai dit précédemment, c'est un moteur AM6. AM6, c'est le moteur Minarelli vertical à vitesse
6 vitesses, d'où le 6 dans le nom. C'est un moteur à graissage séparé, ça veut dire qu'il y a un réservoir d'huile qui permet à l'aide d'une pompe à huile d'injecter une quantité d'huile précise en fonction du régime moteur. Donc là on voit très bien qu'avec le petit cache que vous discernez ici, Doppler, il n'y a plus de pompe à huile. Le propriétaire précédent a préféré changer ce mode de graissage en utilisant un graissage directement dans le réservoir, en mettant en place de l'essence mélangée avec une certaine quantité d'huile moteur. Ça permet, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo, de s'assurer qu'on a toujours le bon pourcentage d'huile en fonction de sa consommation, qui peut évoluer fortement si on augmente la configuration de notre 50. Alors la moto démarre, hein. Je l'ai démarré lors de la dernière vidéo lorsque je vous ai fait un petit jeu d'ombre pour vous annoncer l'arrivée d'une méca boîte. Et bien parlons maintenant de l'admission. L'admission n'est pas du tout d'origine. On distingue ici un carburateur PWK 24 mm de la marque Sunworld, exactement le même que j'ai essayé dans mes précédentes vidéos, que ce soit sur le booster Minarelli vertical, horizontal ou même sur le 4 temps. Une pipe d'admission qui est vraisemblablement du bricolage. J'ai jamais vu une pipe d'admission de ce type là. Elle a l'air d'avoir été taillée dans un bloc d'aluminium. On va voir ce que ça donne au démontage. Le clapet a l'air d'être d'origine vu la couleur de la tranche. On l'inspectera au démontage de toute façon. J'ai l'impression qu'au niveau du faisceau électrique maintenant, il y a du boulot parce que tout est coupé dans tous les sens. Tout a été trafiqué, notamment vous voyez le CDI, la bobine qui n'est pas celle d'origine, qui provient d'un kit d'allumage MVT. Bon, la moto démarre, hein, faut pas dramatiser le truc, donc ça veut dire que le faisceau permet de démarrer la moto, donc tous les branchements côté CDI, bobine, antiparasite ou allumage, ça fonctionne. En revanche, le propriétaire m'a dit que tout était à vérifier côté éclairage, clignotant, etc. Alors lors de l'achat de la moto, le cache de l'allumage était manquant. Moi, ça me plaît pas trop d'avoir mon pied à 10 cm d'un truc qui tourne à peu près à 10 000 tours par minute. Et donc on va remettre ce cache, comme ça, ça nous évitera de perdre un orteil. Là, un petit clin d'œil à Scootfast, un petit autocollant Most en droit de l'emplacement dans le carter du démarreur électrique lorsque la moto est munie d'un démarrage électrique. C'est à cet endroit-là que le démarreur est positionné. Alors bien sûr, il faut la flasque avec des dents de l'allumage qui permet d'entraîner en rotation le moteur lors de la phase de démarrage avec le petit moteur électrique. Lors de prochaines vidéos, on essaiera d'en disposer un, si c'est faisable. Moi, ça m'intéresse d'avoir un petit démarreur électrique sur cette moto. On tentera de le faire. On voit bien le carburateur Sunworld et ce qu'on peut voir juste derrière, c'est qu'il n'y a pas de filtre à air. L'ancien propriétaire, en vendant sa moto, m'a dit « Bon, j'essaierai plusieurs fois, notamment avec un kit 70 récemment, donc j'ai remis un kit 50. » Mais en inspectant de la moto, je constate qu'il n'y a même pas de filtre à air. Alors, sur ces motos, d'autant plus que le filtre à air, l'admission de l'air est directement derrière la roue arrière, donc les projections de grains de silice sont quand même importantes. Et de la silice dans le moteur, bah, je vous en ai parlé lors de la vidéo sur le nettoyage des mousses de filtre à air, ça fait vraiment pas bon ménage avec votre piston et votre cylindre. Et de mémoire, il m'a dit qu'il avait serré plusieurs fois, notamment avec un kit 70, et c'est pour cette raison qu'il a remis un kit 50 récemment, qui est de la marque d'ailleurs Stash 6. On voit bien le refroidissement sur ce type de moteur est liquide, avec le radiateur qui est un petit peu plus haut sous les carénages avant. Du côté droit, côté conducteur, on a le radiateur de refroidissement du refroidissement liquide. Et le côté gauche, on a le réservoir d'huile. Réservoir d'huile d'ailleurs qui n'est plus connecté à rien. La durite a été bouchée avec une vis puisque la pompe à huile a été débranchée, ce qui est logique. Sur cette moto, on n'a pas de durite de dépression qui permet de faire arriver l'essence jusque dans la cuve du carburateur. C'est un petit robinet qui doit être enclenché lorsqu'on n'a pas l'habitude, faut pas l'oublier, sinon le démarrage est difficile, avec une position réserve, une position off et une position on. Mais du coup, on n'a pas non plus de jauge. Sur la suite du moteur, je ne sais pas ce qui a été changé. Le vilebrequin par exemple, j'en ai aucune idée. Donc on le verra plus précisément lors du démontage complet du moteur AM6 prochainement. Tout ça pour vous dire qu'il y a du boulot sur cette MRT, il y a des choses à changer, il y a des choses à démonter. On va de toute façon tout démonter sur cette moto pour tout réviser, tout nettoyer, être sûr que la moto est prête à assurer pour les prochains tests. Les tests de pièces, les optimisations des performances, enfin tout ce qu'on a l'habitude de faire au fil de nos vidéos. Et vous l'avez vu dans le petit tour, hein, j'ai pas démonté un boulon, j'ai pas nettoyé une partie de cette moto pour vous livrer exactement l'état dans lequel elle se trouvait lors de cet achat. D'ailleurs, je l'ai acheté combien? Elle est dans les règles, j'ai tous les papier, je l'ai acheté 1500 €. Une moto, c'est un peu d'actualité, donc ça coûte encore cher. Pas facile d'en trouver une en dessous de ce prix là, surtout dans cet état, et en plus la version sportive MRT Pro. Donc maintenant qu'on a fait le tour et que je vous l'ai présenté dans sa version origine, en tout cas mon origine d'occasion, eh bien on va pouvoir passer au démontage, à sa restauration complète pour qu'on puisse optimiser tout ça. Le moteur AM6,
on va l'étudier à fond. Il y a plein de choses à faire sur ce moteur, on va tout aborder. Et si d'ailleurs vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires. Je vais les lister, je vais les mettre en place dans mon planning de vidéos. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos sur ce moteur AM6, n'hésitez pas à vous abonner. C'est le petit bouton abonné et surtout la petite cloche qui vous permet d'être au courant quand je poste une nouvelle vidéo. Et un petit pouce bleu si vous aimez la vidéo, ça fait toujours plaisir. Voilà, cette petite vidéo de rentrée est terminée. J'espère qu'elle vous a satisfait et que le nouveau projet vous va bien. Si c'est le cas, eh bien j'en suis ravi. De toute façon, comme je l'ai dit en introduction de la vidéo, on abordera beaucoup de choses. Un petit peu de TDR, un petit peu de 4 temps au bout et le booster là qui se cache, on l'oubliera pas. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !